Aman Benson. Le journal des stratèges. Allez, on passe à Waga Energy. C'est du gaz réutilisable qui est produit à partir de déchets. Alors, Waga Energy a mis au point un procédé qui permet d'épurer le gaz émis par les déchets ménagers enterrés pour l'injecter ensuite dans le réseau de gaz naturel ou l'utiliser comme carburant. Alors, ça a été développé pendant de nombreuses années et en 2015, après 10 ans de recherche, apparemment la technologie était au point. Ils ont donc créé la startup Waga Energy pour commercialiser le procédé baptisé Waga Box. Et ça c'est expliqué dans un article de Révolution énergétique. Et ensuite, il y a un procédé technique important qui est en deux phases, une filtration par membrane qui permet de séparer le CO2 et ensuite une distillation dite cryogénique qui élimine l'oxygène et l'azote. Alors en 2020, Waga Energy affichait un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros pour une perte nette de 1,9 millions d'euros et Waga Energy a fait son entrée à la Bourse de Paris dernièrement, c'était le 27 octobre, et ils sont désormais valorisés à plus de 500 millions d'euros. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges.